Sense. Alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu Kick of War, sorti en 1998, édité par Hanco et sorti sur PlayStation 1 ou PS1, ça dépend comment on l'appelle. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite à notre petit match avec des équipes. Et évidemment, quand on en fera, il y a évidemment toutes les nations, enfin quand je vous montrerai toutes les nations, on en profitera pour faire les clubs. Alors déjà, pour commencer, on va se choisir comment ça s'appelle, une petite rencontre. Excusez-moi, c'est là. Oh, j'ai pas joué à ce jeu depuis quelques mois et après j'ai un petit peu perdu l'habitude, si je puis dire. Ouais, enfin si on veut. Alors, Pologne, Finlande, Lettonie, ça c'est l'Islande. Ah, Pays de Galles, Macédoine, Irlande, Algérie, Ukraine, Grèce, Lituanie, Suisse. Oui, alors, il y a tellement d'équipes qu'on ne sait vraiment pas quoi choisir. Mais vraiment. Alors, attends. Attends, essayons de bien choisir. Ah. Biélorussie, Albanie, Azerbaïdjan. Ça, c'est le Liechtenstein. Ah. Là, il y a marqué Hanco. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Hanco. Ça doit être probablement une équipe qu'on doit. Comment dirais-je. Qu'on doit récupérer. Enfin, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, écoutez, on va pas passer par quatre chemins. Attendez, on va se faire un petit. Attendez, on va revenir. On va se faire. C'est vraiment pas quoi choisir, mais il y a vraiment plein de trucs ici. Alors. Mais on va trouver pas, hein, on va trouver. Non, attendez. On va pas prendre les équipes américaines, on les a déjà vues à l'œuvre. Bah tiens, allez, la Biélorussie. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas la Biélorussie. Contre. Ah bah tiens, la Moldavie, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça tombe très bien parce que les Moldaves, on les a pas vus à l'œuvre depuis un bon moment. Voyons. Bon, allez, on va laisser l'IA jouer à notre place. Elle est, comme on fait d'habitude. Oui, alors que je viens de vous le dire, dans ce jeu, on peut soit choisir l'équipe de droite ou de gauche, ou bien évidemment laisser l'IA jouer à notre place. Bon. Espérons que nous verrons un meilleur match. Allez, moderne, oui. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans biélorusses et moldaves. Moldave de la Moldavie, bien évidemment. Bon, sinon, le jeu m'a l'air d'être assez bien. Encore faut-il savoir extrêmement bien l'apprécier. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce petit choc 100% Europe de l'Est entre l'équipe nationale de la Biélorussie qui joue tout en vert face à l'équipe nationale de la Moldavie qui joue en bleu et rouge. Yuka. Et faute. Faute biélorusse. Et. Ah ouais, mince, il y en a un qui voulait tirer le coup franc, mais l'arbitre a sifflé à la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, 0-0 entre. La Bulgarie, la Biélorussie, pardon, et la Moldavie. Ah, nouvelle faute du côté biélorusse. Récupération biélorusse. Attention, oula, et faute biélorusse, et premier carton jaune dans ce match. Bon alors, j'ignore totalement qui a reçu ce carton jaune. Une chose est sûre, c'est un joueur biélorusse, par contre ils mettent pas le nom. Tiens, c'est bizarre. Pour la Moldavie.
Ça passe quasiment juste au-dessus. Oh, il était puissant ce tir. Il était puissant. Et toujours 0-0 entre la Biélorussie et la Moldavie. D'ailleurs, je compte, comment dirais-je, faire d'autres matchs avec des nations et après on essaiera d'en faire quelques-unes avec des clubs. Oh là, une nouvelle faute, et cette fois-ci du côté moldave. Kourakov. Mariosku. Mariosku. Tinkev. Qui passe à Mariola. Attention, est-ce que. Ouh, c'est pas fini! Ouh, attention! Et c'est le but! Ouverture du score de la Moldavie! Et c'est Kleseno qui le marque! Ah, ils ont vraiment, mais ce qu'on peut appeler, mais percer le verrou, hein! Alors, on va quand même voir ça. Donc, c'est Talkov. Non, pardon, non, c'était Teshi. Manou qui récupère le ballon, qui passe à Rebeja. Et ensuite, c'est le dénommé Kleseno. Qui parvient à récupérer le ballon. Alors qu'il y a un remplacement du côté biélorusse, c'est Jaïmovic qui est remplacé par Davnar. Vingtième minute, et la Moldavie mène toujours 1-0 face à la Biélorussie. Attention, oui, récupération biélorusse. Attention. Il faut qu'ils fassent attention les Biélorusses parce que là les Moldaves deviennent de plus en plus menaçants. Et quand ils sont menaçants, c'est pas bon signe, attention! Et c'est le but! Et c'est son deuxième but à lui, c'est Kleseno qui marque le deuxième but de la Moldavie. Ah là là, magnifique! Bel effort collectif! Bel effort collectif! Alors qu'il y a Chavrot. Ah, je pense que ça va être un nouveau remplacement. Je crois que ça va être un remplacement moldave cette fois-ci. Il me semble. Alors ça va être un nouveau remplacement biélorusse. Je sais pas, c'est pas marqué. Donc la Moldavie mène 2-0 face. Oula! Oh là, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Et c'est terminé. Et ben, magnifique victoire des Moldaves qui, franchement. Ont vraiment mis bien géré le match et qu'il emporte face aux deux vieux Biélorusses qui ont tout donné dans ce match et qu'il emporte 2-0. Et ben GG en Moldave parce que là franchement ils méritent vraiment la victoire tellement ils ont bien joué. Franchement ils ont bien joué. Donc je rappelle le score, victoire de la Moldavie face à la Biélorussie 2-0. Mais restez avec nous mesdames et messieurs, je vais vous proposer un deuxième match. A tout de suite.